Greens from Germany. Very excited to have you all here for a webinar today where we discuss the independent ethics body to be created for the European Union. But first and foremost, of course, to hear from the high authority in France, from the Canadian lobbying and the ethics commissioner, because we have seen the committees that are working on these issues in the parliament, both the Constitutional Affairs Committee and the Legal Affairs Committee, have conditioned a number of studies on this issue of ethics oversight, and the examples of France and Canada have come up as some of the best practice that is out there. We have also seen that in studies from other organizations, from Transparency International, for example, that recommend elements of the Canadian and the French system. So very happy to have all of the guests here today to discuss this with us, and of course to have some of the shadow rapporteurs that are negotiating, that are coming up with this idea of a new system of ethics oversight for the European Union to gather with me. So I think it's a good opportunity for all of us to discuss this. Maybe as a quick introduction for all of those that haven't followed this file in detail yet. So I am the rapporteur. I've put forward a proposal for an independent ethics body for the EU institutions, because what I have seen over the last few years is that the European Union has really some of the best rules when it comes to regulating conflicts of interest, when it comes to regulating lobby transparency. For the commissioners, for example, there are quite strict rules on revolving doors and what happens when they leave office and pick up new jobs. But we've also seen that in the application, sometimes in the exact interpretation of those rules, that's where we sometimes run into issues. We have seen that the European External Action Service, for example, that for its senior diplomats has rules on revolving doors, has not applied those rules for 6.5 years, and only recently started fully applying those. We have also seen that, for example, with the commissioners that have left office in 2019, of course, they have to notify the commission, they have to ask for permission for certain new activities. But we also see there that, for example, the German former commissioner, Günther Oettinger, has now 14 new jobs that have been authorized. 7 of those are for organizations that are registered as lobby organizations here in Brussels. So there's questions that emerge around how much can that actually be checked? Does that then really constitute a cooling off period or not? And I think given some of these issues, in any case, all those main lead candidates that ran in the last European elections, including Ursula von der Leyen, who is now the European Commission President, have supported the idea of creating an independent ethics body. So that's why we're holding this debate now in the European Parliament. So on behalf of all the co-hosts as well, so we have Mr. Cimoncevic, representing the Social Democrat group in the European Parliament here with us. We have Mr. Boyer for the Liberal Renew Europe group. We have Leila Scheibli for the Left that should also be joining us. We're co-hosting this event, and welcome very much to this. And without further ado, I would like to introduce the first speaker for today, Ms. Lisa Gamjani, who is the Secretary General of the French High Authority for the Transparency in Public Life, as it would translate into English. And
let me mention one thing still that I have forgotten to mention for all of those that would like to follow today's webinar in a different language than English. You see at the bottom of the screen, there should be a button called interpretation where you can switch to English, to German, or to French. So also if some of the speakers that might speak in French or in German, if you do not understand them in their native language, then you can always use the interpretation channels and listen to the live translation. But Ms. Gamjani, if you can talk a bit about the high authority in France and maybe with a particular view of what lessons learned could we take away now for the rules that we're working on at the European Union level. Also, if there are things that we should not learn from some things that you would recommend differently, then of course we're all ears for that as well. Floor is yours. Thank you. Thank you for the invitation. I speak in French, but I'm glad to hear and to participate to this seminar. C'est un grand plaisir d'intervenir aujourd'hui, de présenter les missions de la Haute Autorité. Je remercie les organisateurs pour cette invitation. Le contexte actuel et les discussions que vous avez évoquées, Monsieur Freund, autour de l'organe éthique commun aux institutions européennes, constitue un moment privilégié et j'espère en toute humilité que l'expérience de la France et l'expérience de la Haute Autorité pourra participer à cette réflexion collective. Je n'aurai pas la prétention de présenter ce qui doit être fait, mais j'espère être suffisamment claire pour que vous puissiez en tout cas me poser des questions et interagir sur ce que nous faisons au sein de cette structure. En France, comme partout ailleurs, le processus en fait, conduisant à cet outil de contrôle et de prévention des manquements à la probité des responsables publics a été le fruit d'un long processus qui est marqué par un double constat, à la fois une crise de confiance des citoyens dans leurs institutions et également un besoin de davantage de transparence et d'exemplarité des décideurs publics. Face à ce double constat, il y a eu une forme de consensus politique qui s'est fait par étapes, au gré parfois de certains scandales dans la vie politique ou administrative française, mais qui a permis de dégager effectivement l'idée de créer une structure qui est un pouvoir véritable de contrôle avec une mission d'accompagnement de l'ensemble des responsables publics. Avec une mission de transparence, mais transparence qui s'entend aussi dans le respect du droit à la vie privée. Donc je vous donnerai quelques éléments là-dessus. Et la Haute Autorité a donc été créée en 2013 par le Parlement français afin de répondre à ces questions et à ces enjeux. Elle faisait suite à une entité qui s'appelle la Commission pour la transparence financière de la vie politique, qui avait une mission plus restreinte. Mais le choix du législateur en 2013, ça a été de créer une institution qui soit une institution indépendante, avec dotée de moyens, pour lesquels les missions ont évolué au fil des années. Des choix structurels ont été faits qui permettent d'ancrer aujourd'hui la Haute Autorité comme un acteur institutionnel majeur au service de la probité et de la transparence en France. Le premier d'entre eux, c'est d'en faire une autorité administrative indépendante. Son statut le rend donc complètement indépendant de toute intervention extérieure avec une autonomie budgétaire. Le second choix, qui est un choix très structurant aussi, c'est d'avoir créé un collège autour du président. Donc, il y a un président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Actuellement, c'est Monsieur le Président Didier Migaud, ancien premier président de la Cour des comptes, et 12 membres du collège qui ont été choisis à la fois en raison de leur carrière, de leur expérience, et aussi, parfois aussi, structurellement. C'est-à-dire que parmi ces 12, vous avez des membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, qui, par leur formation, leur parcours, sont fortement attachés à un principe d'indépendance. Le président de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent également désigner deux membres et le gouvernement également. Leur mandat est de 6 ans, il est non révocable, et ce qui, encore une fois, ancre un gage d'indépendance. Actuellement, la Haute Autorité dispose d'un budget de 6 millions d'euros et une 60aine d'agents pour mener à bien l'ensemble de ses missions, missions qui ont beaucoup évolué depuis 2013. Initialement, elle était tournée vers la prévention de l'enrichissement
des responsables publics et une notion essentielle de transparence vers aujourd'hui une mission qui est plus tournée vers la prévention des conflits d'intérêts et la prévention des atteintes à la probité. Cette double évolution s'est faite à la fois, il y a des modifications législatives, et encore une fois, je pense qu'il est important de souligner qu'à chaque fois, il y a eu une forme de consensus politique sur ces questions-là, avec des engagements très transpartisans, mais aussi une volonté de la Haute Autorité de renforcer d'elle-même son rôle d'accompagnement et de conseil. Tout cela avec un cadre qui maintenant est reconnu, à savoir que lorsque les manquements sont effectifs, lorsqu'il y a des manquements véritables aux obligations déontologiques, aux obligations de transparence, alors la Haute Autorité a pu faire preuve de fermeté et saisir le procureur de la République pour constater des infractions pénales. Schématiquement, la Haute Autorité a trois grandes missions aujourd'hui. La mission initiale, c'était le contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêt des 16 000 plus grands responsables publics, qui comportent à la fois des ministres, des parlementaires, y compris des députés européens, mais aussi un public de personnes non élues, qui sont des hauts fonctionnaires, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle régionale, et dont la Haute Autorité a pour mission de contrôler à la fois l'aspect patrimonial, donc ils doivent déposer une déclaration de patrimoine au début de leur mandat et à la fin, la Haute Autorité vérifiant s'il y a eu un enrichissement personnel au cours de ses fonctions. Et pour cela, elle bénéficie de moyens qui sont des moyens efficaces, un accès à des bases de données de l'administration fiscale qui lui permettent de connaître l'étendue des patrimoines immobiliers, l'étendue des comptes bancaires, des assurances-vie, mais aussi un droit de communication qu'elle exerce via l'administration fiscale française. Sur ces 16 000 responsables publics, la Haute Autorité contrôle également leur déclaration d'intérêt. C'est un champ qui était nouveau, qui n'existait pas dans la commission pour la transparence financière qui l'a précédée. L'objectif de ces déclarations d'intérêt, qui sont rendues publiques lorsqu'il s'agit d'élus sur le site de la Haute Autorité, est de permettre effectivement d'identifier des liens d'intérêt. Et à l'occasion de ce contrôle, la Haute Autorité va questionner le responsable public pour savoir, pour définir, appréhender un potentiel conflit d'intérêt et lui conseiller des outils, des ports éventuellement, voire même parfois un abandon du lien d'intérêt, afin de préserver l'impartialité de la décision publique qu'il sera amené à prendre. Ça, ce sont les missions on va dire initial et traditionnel de la Haute Autorité, qui n'ont pu se faire qu'avec un long travail de sensibilisation, de pédagogie et d'apprentissage. On est sur des outils qui sont nouveaux. À l'échelle, il faut quand même se rendre compte qu'en 15 ans, la France a acquis un arsenal législatif très neuf sur ces questions de déontologie, de probité, encore une fois pour répondre à des exigences des citoyens, mais parfois avec une technicité aussi. Concernant des responsables publics qui ne pouvaient légitimement ne pas connaître l'intégralité de leurs obligations, ou en tout cas pas l'aspect technique. Donc on a beaucoup travaillé à accompagner, et on le fait quotidiennement par le biais d'outils, par le biais de formation, par le biais d'accompagnement, afin encore une fois que cette marche, on va dire, de l'intégrité, d'un renforcement des exigences de la probité puisse être prise par l'ensemble des responsables publics. La deuxième mission, c'est une mission qui est une mission finalement charnière entre le secteur privé et le secteur public, puisqu'elle concerne quasi exclusivement le conflit d'intérêts. Traditionnellement, la Haute Autorité avait cette mission de contrôle de la reconversion professionnelle de certains responsables publics. À l'époque, il ne s'agissait que des anciens ministres, des membres des autorités administratives indépendantes et des élus. Depuis une loi de 2019, la Haute Autorité contrôle la reconversion professionnelle des 20 000 plus hauts fonctionnaires français. Ce qui veut dire que lorsqu'un haut fonctionnaire, enfin, n'a pas forcément d'ailleurs le statut de fonctionnaire, hein, mais lorsqu'un agent public envisage de partir dans le secteur privé, la Haute Autorité doit émettre un avis direct afin de lui indiquer s'il y a éventuellement des difficultés sur les fonctions qu'il envisage d'exercer. Et comment se prémunir de ces difficultés, notamment, encore une fois, par des mécanismes essentiellement de déport, d'interdiction de contact avec certains, afin, toujours dans le même objectif, de préserver, cette fois-ci, l'impartialité probablement de son administration d'origine. Pour ne pas donner à penser aux citoyens qu'une personne qui aurait pu exercer des fonctions publiques à un très haut niveau utiliserait ces fonctions-là
dans une vision très personnelle. C'est une mission qui est une mission sensible, qui est délicate, encore une fois. Il ne faut pas une impression qu'il y ait une interdiction. Elle n'existe pas. Il est normal que des personnes ayant acquis une expérience dans le privé puissent en faire bénéficier le secteur public. Et l'inverse est vrai aussi. Mais tout cela doit se faire dans un cadre qui est un cadre connu et qui, encore une fois, peut rassurer les citoyens. La troisième mission, encore une fois, donner un aperçu de la haute autorité, c'est une mission, cette fois-ci, du contrôle de l'activité de lobbying, qualifiée en France de représentation d'intérêt. C'est une mission qui date de la loi Sapin II, donc depuis 2016. La haute autorité, cette fois-ci, contrôle, encadre cette activité qui a existé depuis quand même extrêmement longtemps, mais jusqu'en 2016, il n'y avait pas de reconnaissance officielle de l'activité de lobbying, et il n'y avait pas d'encadrement déontologique, ni d'obligation particulière qui s'appliquait à cette profession. À la fois, il est nécessaire et il est important que les responsables publics puissent prendre des décisions en ayant connaissance des intérêts représentés par différents acteurs. Il ne s'agit pas que d'acteurs économiques, ça peut être des associations. Les intérêts présentés peuvent être très divers. Mais tout ça doit se faire dans un cadre déontologique qui est connu, avec des obligations de transparence, d'inscription sur un registre national, des obligations également d'information qui consistent à, une fois par an, donner l'ensemble des contacts qui ont pu avoir lieu en précisant la nature des fonctions de l'interlocuteur, l'objet de la décision, et encore une fois dans un cadre déontologique qui soit connu pour permettre aux responsables publics de savoir qui leur parle, qui les sollicite et dans quel but. Et tout cela est effectivement cette troisième grande mission. Aujourd'hui, nous avons 2200 entités inscrites qui ont déclaré environ 30 000 activités de lobbying. Alors, le dispositif n'est pas complètement optimal, mais véritablement, c'était essentiel pour ce dispositif, encore une fois, d'encadrement et de probité publique, d'avoir cette reconnaissance de cette fonction et cet encadrement. Voilà, de manière très schématique, les missions de la haute autorité et je répondrai à toutes les questions que vous souhaiterez me poser. Je vous remercie. Merci beaucoup. We're going to go more into detail with questions in just a little bit, but I would like to bring in our two Canadian colleagues as well. We're going to start off with Mario Dion, who is the Canadian Conflict of Interest and Ethics Commissioner. Thanks so much for joining us. And bit the same question to you as well. What could we possibly take away from the Canadian system? What does work particularly well? And maybe if you have things that don't work as well and that you would suggest us not to repeat, very welcome for that as well. Thanks for joining us. You need to still open your microphone. The most popular phrase of 2020-2021, you're muted. Je m'excuse. À l'instar de ma collègue de la France, je vais redresser mes propos principalement en français. Au Canada, on a un régime, en fait, il y a deux... Moi, je suis commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique. Je suis nommé en vertu de la loi sur le Parlement du Canada. En fait, je suis un officier de la Chambre des communes, même institution qui existe en Angleterre. Le Canada est une fédération, donc moi, j'œuvre au niveau fédéral et je suis un officier de la Chambre des communes au niveau fédéral. Et je suis nommé pour un mandat de 7 ans, irrévocable, renouvelable. Et cette nomination est faite sur nomination du gouvernement, mais doit faire l'objet de consultations auprès du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et doit également faire l'objet d'une résolution adoptée par la Chambre des communes. Donc, je suis en poste depuis le 9 janvier, pardon, 2018. I'm the second holder of this office in its current configuration. There was before me Ms. Mary Dawson, who was in the position between 2007 and 2018.
La loi sur le Parlement du Canada énonce certaines qualifications. Il y a trois ou quatre types de qualifications qui sont requises avant de pouvoir être nommé commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique. Avoir de l'expérience en matière d'éthique, avoir été président d'un tribunal administratif, être un juge ou un ancien juge ou être un ancien commissaire à l'éthique, soit dans une province ou un territoire. Parce qu'au Canada, nous avons, j'ai des homologues dans chacune des provinces, les 10 provinces, et chacun des trois territoires du Nord également. Donc, on a un réseau de collègues, de confrères, consoeurs, qui opèrent dans des environnements qui comportent plusieurs différences l'une entre l'autre, mais qui ont néanmoins plusieurs points communs. En écoutant ma consoeur de la haute autorité, je constatais qu'effectivement, il y a plusieurs points communs avec notre régime, mais il y a également plusieurs différences importantes. Donc, mon rôle est d'appuyer le Parlement dans la mise en œuvre du code régissant les conflits d'intérêts des députés. Un code qui a été adopté par la Chambre des communes en 2004 et qui constitue une annexe aux ordres permanents de la Chambre des communes. Et ce code est le premier du genre. Il a été modifié à quelques reprises depuis 2004. Et il confie au commissaire une série d'obligations, un peu dans la même veine que la consoeur de France, à savoir que on opère ce que j'appelle le côté mécanique de la chose, c'est-à-dire les déclarations initiales des députés. Au Canada, il y a 338 députés au niveau fédéral, et chaque député doit, dans les 60 jours de la déclaration de son élection, déposer une déclaration confidentielle, qui est analysée par mon bureau, et qui, par la suite, est publié dans une forme sommaire, publié sur le registre public qu'opère le commissariat et qui est accessible à tous les Canadiens par le biais du web. Ça, c'est le côté mécanique. Il y a également une revue annuelle qui est faite. Chaque député, chaque année, est appelé, par voie d'un courriel qui lui parvient, à mettre à jour la déclaration initiale. Et le code prévoit également qu'il y a une obligation positive pour chaque député de signaler tout changement important dans sa situation financière tout au long de son mandat. Et le code comporte également des obligations substantives en matière de conflit d'intérêts. C'est la première fois qu'on énonce de façon aussi claire au Canada les obligations des députés en matière de conflit d'intérêts. Par exemple, le code traite des activités extra-parlementaires. Qu'est-ce qu'un député peut faire et ne pas faire à l'extérieur de son rôle de député? Ce qu'un député ne doit pas faire, à savoir favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille. Ainsi de suite. Ça, c'est très semblable à ce qu'on retrouve dans la plupart des autres juridictions. Donc, des règles substantives. Et le commissaire a le pouvoir de deux choses, en fait. Lorsqu'un député considère qu'un confrère ou une consoeur a contrevenu à ses obligations en vertu du code, le député peut me demander, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un autre député n'a pas respecté ses obligations, peut me demander de faire enquête. Et c'est à moi qu'il appartient de décider si effectivement je partage son avis, à savoir qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le code a été violé, et si oui, j'entame une enquête de façon indépendante. D'autres possibilités, c'est que le commissaire, j'ai aussi le pouvoir d'entamer une enquête de mon propre chef. Lorsque j'ai des renseignements d'ordre public, les médias par exemple, ou ce que j'observe moi-même à la Chambre des communes, parce que tout ce qui se passe à la Chambre des communes peut être monitoré à distance par le biais de sites web, tant dans les commissions parlementaires que dans les plénières, les sessions plénières de la Chambre des communes. Donc, le commissaire peut de son propre chef lancer une enquête. Chose que j'ai faite à quelques reprises déjà. Et lorsqu'on fait une enquête, on s'est fixé comme délai non écrit qui n'apparaît pas dans le code. On essaie de compléter nos enquêtes à l'intérieur d'une période maximale d'un an. Et à moins de complexité extraordinaire, nous allons tout faire pour compléter l'enquête dans le délai maximal d'un an. Et quand je complète mon enquête, je fais parvenir le rapport au président de la Chambre des communes, qui ensuite décide, la Chambre des communes est appelée à décider de la disposition du rapport, à savoir ma conclusion à l'effet si oui, à l'effet qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu violation du code. Et s'il y a eu violation, je peux également recommander une sanction à être imposée par le député
par la Chambre des communes elle-même. Je n'ai pas le pouvoir d'imposer de sanctions. Le deuxième régime qu'on administre date de 2007 et s'applique, celui-là, à ce qu'on pourrait appeler les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les gens qui sont nommés par le gouvernement. Il y en a 2800 qui sont régis par la loi. Les gens nommés par le gouvernement, le personnel des cabinets de ministres sont également régis par cette loi-là. Et finalement, les gens qui, parmi la députation, les 338 dont je parlais tantôt, les ministres et les secrétaires parlementaires ou les adjoints parlementaires, donc il y en a à peu près une soixantaine, qui en plus d'être députés, sont soit ministres, soit adjoints parlementaires, y compris le premier ministre. Donc, on a un groupe de personnes qui sont régies par les deux instruments, le Code et la loi sur les conflits d'intérêts. La loi sur les conflits d'intérêts comporte, mon rôle à l'égard de la loi sur les conflits d'intérêts est fort semblable à celui en vertu du Code. C'est-à-dire qu'on a les opérations, ce que j'appelle mécaniques, la déclaration initiale lorsque quelqu'un est nommé, l'obligation de signaler tout changement important, la publication, la revue annuelle et la publication d'une version, publique de ces déclarations qui sont faites par les titulaires de charges publiques principaux. On a le pouvoir de faire enquête, on peut enquêter de notre propre chef, on s'est fixé le même objectif d'un an. Et la différence qui existe, c'est au niveau de la disposition du rapport. Lorsqu'il y a contravention ou pas, en fait, j'analyse une situation, j'ai des motifs raisonnables de croire. Un député a fait une plainte, un sénateur a fait une plainte, je fais enquête ou je le fais de mon propre chef, j'en arrive à une conclusion et je fais parvenir mon rapport au premier ministre. Plutôt qu'au président de la Chambre. Donc, c'est le premier ministre qui est le patron, en quelque sorte, ultime de tous les hauts fonctionnaires et les membres du personnel ministériel qui sont régis par la loi, qui doit disposer du rapport, qui doit décider quelle est la conséquence de la contravention. Il y a un article dans la loi, l'article 19, qui prévoit que le respect de la loi sur les conflits d'intérêts est une condition d'emploi. Donc, pourrait mener à la révocation d'une nomination. Et dans le passé, à quelques reprises, entraîné la révocation d'une nomination. Mais c'est encore là, ce n'est pas moi qui impose la sanction, et dans la loi non plus ne prévoit pas que j'ai le pouvoir même de recommander une sanction. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'un jour, si la situation s'y prête, je ne recommanderai pas une sanction. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas recommandé de sanction. Je laisse au premier ministre et à ses conseillers le soin de décider de la conséquence d'une contravention à la loi. Ces rapports-là, tant en vertu du Code que de la loi, sont publiés, encore une fois, sur le web, notre site web, dans les minutes qui suivent leur réception, soit par le président de la Chambre, le dépôt à la Chambre des communes, dans le cas du Code, ou l'envoi au premier ministre, dans le cas d'une enquête faite en vertu de la loi. Donc, à l'instant même, ou dans l'heure qui suit, le public, partout à travers le monde, a accès au rapport. Ça entraîne généralement un certain degré d'attention médiatique, dépendant évidemment de la personne qui a été prise en défaut, si la personne a été prise en défaut, et aussi de l'intérêt que présentent les faits, si on veut. Il y a des rapports qui sont plus intéressants que d'autres. Donc, une particularité du Canada dont vous avez peut-être entendu parler, c'est que le premier ministre lui-même a fait l'objet de deux rapports, justement, en vertu de la loi sur les conflits d'intérêts, où ma prédécesseure, dans le premier rapport, et moi-même, dans le deuxième, avons conclu que le premier ministre avait contrevenu aux dispositions de la loi sur les conflits d'intérêts. On a publié, depuis la création du bureau, on a complété 55 dossiers d'enquête qui ont tous été rendus publics. Et c'est à peu près ce que je peux couvrir en si peu de temps. Je n'ai pas parlé d'après-mandat, on pourrait peut-être parler de ça tantôt. Ma consoeur de France en a parlé. So when people under the act, governed by the act, the reporting public office holders, the most senior ones, half of them, have obligations that go beyond their mandate. There are things, there are sections prohibiting them from doing certain things, sections 33 and 34, forever, for the rest of their natural life. And there are prohibitions that apply for a period of 1 year, after they leave their public office. Like the situation in France, they also have an obligation to inform me of any firm offer of employment outside of the public sector. So there is a positive obligation to do that under the Act.
So I hope this is useful. We have 50 employees. We have a budget of 6 million Canadian dollars, which amount to about, 4.5 million euros. And that's the story, and I'll be happy to answer any question you may have during the question period. So Melanie is with me this morning because I have another engagement that almost collides with this one. So Melanie, is there anything you'd like to raise, or will you just be there available to assist me in answering questions? I'm happy to answer any questions when we get to that part, or if anyone wants to dig in a little bit deeper into the post-mandate regulations. I know that touches upon Madame Bélanger's role also as the lobbying commissioner for Canada, so that might be a good segue there. Okay. Thanks so much. Thank you both for being here, and thanks, Mr. Dion, for your detailed explanations. We're going straight to our next speaker, Nancy Bélanger, who's the Canadian Commissioner of Lobbying. So please do explain us what your office does, and maybe, as Ms. Rushworth has already said, how the two commissioners relate to each other as well. Thanks. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des homologues internationaux, même si malgré il faut le faire virtuellement. Et ça me fait toujours plaisir aussi d'être sur un même panel que mon collègue, M. Dion, du Canada. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc ça me fait plaisir de le voir. Je vais faire ma présentation principalement en anglais, mais je suis prête à répondre les questions en français ou en anglais, mais malheureusement pas en allemand. Je suis vraiment désolée. J'aimerais ça, mais je ne suis pas capable. Contrairement à notre collègue de la France, où la loi est quand même, sur le lobbying est quand même jeune, nous au Canada, on a une loi depuis 1989. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'on a une loi sur le lobbying. Originalement, c'était une loi qui exigeait seulement de l'information, comme on a sur une carte d'affaires, plus il devait nous dire sur quel sujet on voulait parler. Mais le bureau tel qu'il est connu aujourd'hui date de 2008. Comme mes collègues, je suis un bureau indépendant, donc je me rapporte directement au Parlement. J'ai aussi des homologues provinciaux qui ont des lois semblables, mais avec des différences. Ce qui est arrivé en 2008, c'est qu'il y a eu trois choses principales qui sont venues en loi à ce moment-là. C'était justement le fait qu'il devait y avoir plus de rigueur et d'information dans les enregistrements des lobbyistes. On a ajouté également des rapports de communication mensuels. Donc, à tous les mois, une fois que quelqu'un est inscrit, ils doivent inscrire en plus une communication qu'ils ont eue avec des hauts fonctionnaires. Et ils ont ajouté dans la loi de 2008 la question d'après-mandat pour empêcher les gens qui étaient haut placés de devenir des lobbyistes. So in Canada, we have the Lobbying Act, but we also have a code of conduct. And both of them work together to ensure transparency of lobbying and ethical conduct. I always like to flag the preamble of the Lobbying Act in Canada because I think it sends an important message. And the first one is that open access to government is of public interest. The second is that lobbying is a legitimate activity. And the third is that people should know who is talking to whom and about what. So at the end of the day, the preamble helps to really focus the mind that transparency is paramount, but that access and decision makers to be able to have and make informed decision need the data and they need the information. So very quickly, what is lobbying in Canada? There needs to be a payment. So it is really to regulate those that have that are lobbyists as professionals. There needs to be a communication. So it can be direct or indirect. And it has to be about a registrable activity, which is really a legislation, a regulation, a program, a policy, or some form of financial benefit. So if anyone meets these criteria, they have an obligation to register. And
And I want to focus a little bit on the registry, because really that is the main transparency tool to ensure that the world knows what's going on and who's talking to whom. So once there is a registration, if they meet an official, a high official decision maker, and they have a discussion, oral discussion, they also have to do a monthly communication report. So currently we've got 6,200 lobbyists registered. And between January 2020 and December 2020, we ended up beating a record of 28,000 monthly communication reports with high officials. The interesting thing is this information is Canadians can almost know in real time who's talking to whom and about what. And during the pandemic year, I can tell you that that was extremely important. We saw that at the beginning of the pandemic year, health, who had never been the top topic, became the first topic of conversation. It switched to economic development. And now with all the vaccine, it's come back to being health. And what was interesting is that Canadians needed to have access to their decision maker to feed the information about what they needed in this time of pandemic. And decision makers wanted to meet with them and made themselves accessible. And this is all in the public domain through the registry. So it's an extremely important tool. And I invite you to go visit our registry. It's open on our website. I could tell you that journalists use it a lot. We have academics, we have researchers that call our office, and there's all sorts of data and information that you can obtain from it. And it really is an important tool. Very quickly, I'd like to talk about post-employment. Any high-ranking official, when they leave office, are prohibited from lobbying for a period of 5 years, which I believe is probably the longest period in the world. I think there is one state who's excited to say they're the longest. I think they might be at 6 years, but 5 years is a very long period. And when these high officials leave office, they're prohibited from becoming a consultant lobbyist. They're prohibited from becoming an in-house lobbyist for an organization. They're also prohibited from becoming a lobbyist for in-house corporation, except for corporations. They can lobby if it's not up to a significant part of their work. And I can tell you, if there is one advice, please make the rules clear and applicable to all, because this particular gap is very difficult to understand and explain. I have recently submitted preliminary recommendations to amend the act, and that is one of the items that I've asked to, that the gap should be harmonized. Really, everyone should be subject to the same rules. I can grant exemptions if someone was a student in a minister's office, if they were there for a very short period of time or on an acting basis. Individuals can ask for an exemption, and when the exemption is granted, that is also publicly known on our website. So the world knows if an exemption has been granted. Transparency is important, enforcement is important. Like my colleagues, I have very strong investigative powers. Offenses under the Act, failing to register, failing to do these monthly communication reports, and lobbying while prohibited is a criminal offense. And so I have the power to investigate. And if I have reasonable grounds to believe an offense has occurred, which is a pretty low threshold, I must suspend and I refer the matter to our national police, the Royal Canadian Mounted Police here in Canada. So I start the work, and when the moment I have the reasonable grounds, I submit it, and it's a criminal offense. Under the code of conduct, however, if I do find that there has been a breach, like my colleague, it's a report to Parliament, and really impact is more reputational and there's media attention to it, but are no other sanctions for code of conduct issues. So I will leave it at that. I'm looking forward to questions, but really, my advice is to have clear rules, really powers of investigation that are strong, enforcement,
and of course, transparency. Thanks so much. Well, before I open the floor to the four MEPs here for questions and comments, I want to invite also all the participants in this webinar. Right after, we're going to open it up for questions from you. So either you use the raise hand button and already alert that you want to ask a question, or you can also write your questions into the Q&A at the bottom of the screen. There's a button for that where you can ask your questions, and then I can read them for you. But Mr. Cimoshevich, I'll give the floor to you if comments, questions, anything you have. Go ahead. Thank you very much, Daniel. Good morning, Canada. Good afternoon, Europe. I greet you from Eastern Poland, where today we have the first day with lovely spring weather. Of course, there is no need to explain here why is it so important that public officials, public figures do respect high ethical standards and that they avoid conflicts of the private interest with public common good. But since nobody's perfect, we of course need effective mechanisms and procedures of control and reaction. As Daniel Freund said, in the European Union, we have quite good regulations. We believe the well-designed, well-tailored. However, we are not very much satisfied with the practical effects of them. And that is why today, we try to find a new solution. We think about creating just one independent ethics body which would serve all of the European Union institutions. Doing that, we face some problems, and my four questions to our guest speakers are related to those problems we do face. First one is that some of the members of the European Parliament believe that elected persons should not be controlled in the same way as members of staff of the European institutions. They also believe that only official European Parliament authorities can be authorized to take decisions related to members of the Parliament. Did you have similar problems at the national level, and how did you solve them? Second question. What should be the criteria of choosing the members of the body responsible for ethical scrutiny? Third question, what do you think about the possible and necessary confidentiality of the procedure? And finally, fourth question, who should decide about launching the procedure? Should the ethics body be allowed to do that on its own initiative? Thank you very much. Thanks so much, Mr. Cimoshevich. If it's okay for all three of our experts, we will do one round and then give you the opportunity to do a round of answers to those questions, if that works. Then I'd give the floor to Gilles Boyer. Bonjour à tous. Je vais parler en français notamment parce que nos amis canadiens ne comprendraient pas que je parle un mauvais anglais. Alors qu'il m'arrive de parler un français correct. Ensuite, je vais parler avec beaucoup de prudence puisque je parle sous la surveillance de mon autorité de contrôle nationale. Et donc, je vais faire très attention à ce que je dis. Blague à part, merci pour vos éclairages. C'est très utile pour notre travail. Je voudrais d'abord dire que l'Union européenne a des caractéristiques particulières qui rendent notre ambition de davantage de transparence qui rendent notre ambition particulière et peut-être difficile à exécuter parce que nous avons 27 pays, nous avons 27 cultures, nous avons 27 habitudes, 27 règles différentes qui s'appliquent dans les différents pays et que nous arrivons tous ici au Parlement européen avec des habitudes différentes qu'il faut concilier. Et ensuite, nous avons une ambition difficile parce que nous voulons essayer de créer une autorité indépendante qui est la compétence sur plusieurs institutions européennes qui sont de nature très différente.
notre Parlement élu, la Commission européenne que vous connaissez, qui comprend des personnalités qui sont désignées par leur gouvernement, même si ratifiées par le Parlement. Donc ce sont des choses de nature très différente. Ça m'amène à vous poser beaucoup de questions et merci pour vos présentations. D'abord, quel est votre sentiment? Comment pouvons-nous concilier les règles nationales qui existent dans chacun des pays et les règles applicables au niveau européen? Je vous donne un exemple. Un député européen français doit remplir une déclaration en France au titre de son mandat, comme Mme Gamgani l'a rappelé, et doit aussi remplir une déclaration à son arrivée au Parlement européen, mais les déclarations ne sont pas identiques, n'ont pas le même degré de précision et il n'y a pas les mêmes informations qui y figurent. Bon, donc c'est peut-être pas un problème, mais enfin c'est quand même une caractéristique et pour nous ça va être un défi, hein, je crois, si on décide de tenter d'aller vers une harmonisation des règles nationales, ce qui n'est pas forcément la bonne idée, mais à voir. Je voudrais vous interroger là-dessus. Ensuite, ça m'a beaucoup intéressé de vous entendre sur la différence que vous faites et que nous devons faire entre les personnes qui sont élues et les personnes qui sont nommées. Pour moi, c'est tout à fait fondamental. Bien sûr que les deux catégories de personnes sont soumises à des règles, mais d'après ce que je comprends de ce que vous avez dit, les règles ne peuvent pas être exactement les mêmes lorsqu'on est élu et lorsqu'on est nommé. Hein. Ici, au Parlement, nous touchons des indemnités et pas un salaire. Donc, les mots ont une signification. Ça n'implique pas que nous avons toutes les libertés. Et évidemment qu'il y a des règles pour prévenir les conflits d'intérêts et les cas les plus graves de manquement à notre impartialité en tant qu'élu. Mais enfin, je pense que ça ne peut pas être des règles identiques, ni pendant l'exercice des fonctions, ni après. Et là aussi, c'est une distinction que nous devons réfléchir soigneusement, à laquelle nous devons réfléchir soigneusement, je trouve. Vous avez mentionné, chacun en ce qui vous concerne, en France, au Canada, les règles qui s'appliquent après la fin des fonctions pour les agents publics, pour les élus. Comment est-ce qu'on concilie ça avec j'appellerais ça le droit au travail ou la liberté professionnelle à laquelle chacun a droit. Et ça m'amène, encore une fois, je suis le premier à dire que des règles particulières doivent s'appliquer à ceux qui ont un engagement au service de l'État ou un engagement électoral. Mais cette question me pose beaucoup de questions. Et ça m'amène à une autre remarque. Dans le débat public, dans certains pays, ça peut arriver en France aussi, on a tendance à confondre ce qui est interdit et ce qui doit être déclaré. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez dit, Madame Bélanger, j'ai été très sensible à ça. L'important, c'est de savoir à qui on a affaire. Et en tant que parlementaire européen, vous avez mis le doigt sur le point essentiel. On doit savoir à qui on a affaire, à qui on parle. Je pense qu'il n'y a pas de lobbyistes forts, il n'y a que des élus faibles, ou plus exactement que la représentation d'intérêts privés fait partie de la vie, que moi, ça m'aide dans mon travail législatif, mais lorsque je sais qui me parle, je peux distinguer ce qui relève de l'intérêt général et de l'intérêt particulier. Ça m'aide à forger ma propre opinion d'élu. Mais pour moi, c'est ça l'important et je ne veux pas diaboliser le lobbying. Pardon, mes remarques sont un petit peu en vrac, mais ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit. J'aimerais savoir si dans vos compétences, vous avez la possibilité, est-ce que le législateur vous a donné la possibilité de proposer des améliorations aux règles qui existent? J'ai bien compris que vous ne fixez pas les règles. Mais est-ce que vous pouvez
vous avez le droit ou la possibilité de proposer des améliorations aux règles existantes lorsque vous estimez qu'elles sont insuffisantes, imprécises. Madame Bélanger, vous avez rappelé que les règles devaient être claires. Je ne sais pas si ça nous rassure, parce qu'ici, à Bruxelles, ça n'est pas notre spécialité, mais on va faire un effort. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir si vous pouvez proposer des améliorations à la législation. Et je rejoins enfin les questions de mon collègue Timoshevich sur la manière dont doit se dérouler une procédure. Monsieur Dion, vous avez rappelé les grandes lignes de la procédure. C'est très intéressant parce que nous nous posons beaucoup de questions sur le point de savoir à quel moment de la procédure elle doit être rendue publique pour éviter, ou plutôt quel est le problème le plus grave? Est-ce que qu'un coupable ne soit jamais, le nom d'un coupable ne soit jamais révélé, ou est-ce que le nom d'un innocent soit révélé? Quel est le problème le plus grave? Quelle est la difficulté la plus grave pour une démocratie? J'ai envie de dire, il n'y a pas de règle absolue à ça, mais enfin, des personnalités publiques sont souvent mises en cause médiatiquement, et parfois à juste titre, avec des mises en cause pour des manquements à l'éthique, et c'est bien normal. Mais on a eu aussi quelques cas où des noms étaient jetés dans la presse, et des noms étaient publiés pour finalement une absence totale d'infraction, mais le préjudice public, politique, médiatique, lui, reste. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont les garanties que vous avez mises en place pour réserver cet équilibre entre la transparence sur les manquements des personnalités publiques, d'une part, mais aussi, d'autre part, le respect de la procédure contradictoire et de la confidentialité des procédures. Ça m'intéresse enfin, pour rejoindre la question de notre collègue Timoshevich, d'avoir votre avis sur savoir qui doit être membre de notre autorité. Est-ce que ce sont des personnalités qui doivent siéger ex-qualité? Est-ce que c'est des personnalités qui doivent siéger à plein temps? Est-ce que ce sont... mon idée, notre idée, mais je ne sais pas si mes collègues la partagent, c'est que les institutions européennes doivent garder la maîtrise de leurs décisions internes. C'est-à-dire que nous proposons de créer un organisme extérieur pour instruire les dossiers, regarder les cas et proposer aux institutions des sanctions, et non pas de les prononcer elles-mêmes. Mon point de vue, et je ne sais pas si mes collègues le partagent, ce n'est pas de créer une juridiction, c'est de créer un organisme consultatif, mais indépendant, qui recommandera, par exemple, au président du Parlement européen de prendre une sanction, ou à la présidente de la Commission européenne de prendre une sanction. Mais les institutions gardent la maîtrise du prononcé de la sanction, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que nous nous interrogeons beaucoup. Voilà, c'est un petit peu désordonné, pardon, mais c'est à la hauteur de notre discussion riche et foisonnante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Leila, si tu veux poser des questions, des commentaires, bienvenue. Oui. Bonjour tout le monde. Merci, Daniel, pour l'organisation de ce webinaire, et un grand merci à tous les intervenants et aux intervenantes. C'était très intéressant. C'est vrai que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer Madame Gangani pour échanger autour de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et donc, c'est vrai qu'on est très bon. Honoré et fier d'avoir un organisme français qui fasse figure d'inspiration dans le cadre de nos travaux ici au Parlement européen pour la création d'un organisme d'éthique indépendant. La Haute Autorité de la transparence de la vie publique, comme vous l'avez vu à travers les propos de Madame Gangani, a fait un gros travail depuis sa création pour injecter de la transparence à tous les niveaux de la vie publique, tant parmi les membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, les collectivités territoriales, que vis-à-vis de nous, les parlementaires européens. Je suis également vraiment ravie d'avoir eu l'occasion d'en savoir plus sur le modèle canadien, qui a beaucoup à nous apprendre. Merci Madame Bélanger, merci Monsieur Dion. Alors, moi, j'avais trois questions à vous poser. La première, donc, c'est sur le droit de retrait, alors, ou de déportation.
Parce que pour nous, pour ma délégation, l'enjeu de la création d'un organisme d'éthique indépendant, c'est qu'il soit vraiment indépendant. Et alors nous, de notre côté, il y a des débats évidemment sur la composition. Puis vous avez vu que par rapport aux collègues qui intervenaient juste à l'instant, on n'a pas forcément les mêmes approches. Nous pensons au contraire qu'il faut limiter la place des politiques dans la composition de l'organisme. Bon, ça c'est une chose. Mais par ailleurs, et je sais que donc c'est quelque chose qui existe au sein de la HATVP, c'est le droit de retrait, donc qui est appelé droit de déportation, c'est-à-dire que quand il y a un dossier où les membres de l'autorité en question sont directement concernés, eh bien on les déporte. Voilà, donc j'aimerais en savoir plus sur ce dispositif et puis savoir si ce type de dispositif existe également dans le cadre du commissariat canadien. C'est ma première question. La deuxième question, c'est concernant aussi, donc, les deux autres questions, c'est sur deux points qui font débat également dans nos discussions au sein du Parlement européen sur la création de l'organisme d'éthique indépendant. C'est une première donc, là, sur le droit d'initiative de l'organisme. En 2018, après le départ du commissaire Barroso chez Goldman Sachs, la médiatrice européenne avait elle-même recommandé au comité d'éthique de la Commission de pouvoir agir de sa propre initiative à chaque fois qu'elle le juge approprié. Il nous paraît important d'étendre cette recommandation et que ce soit dans les pouvoirs de l'organisme d'éthique indépendant européen d'avoir le droit d'initiative. Alors, je sais qu'encore une fois, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique a le droit d'initiative. C'est également, il me semble, le cas du commissariat canadien. Alors, il ne s'agit pas évidemment de vouloir encourager la délation, parce que quand on parle de droit d'initiative, c'est quand les informations viennent de journalistes, d'ONG ou de lanceurs d'alerte. Donc, l'idée n'est pas d'encourager la délation, mais peut-être de dissuader, de donner un moyen concret à l'organisme d'éthique d'être efficace et d'indépendant. Et je voulais savoir donc quelle était la proportion, aussi bien pour la HATVP que pour le commissariat canadien, dans votre travail, la proportion de votre travail qui est faite à votre propre initiative. Donc ça, c'était la deuxième question. Et enfin, ma dernière question concerne le pouvoir de sanction. C'est un des points de discorde central, un point de débat central de nos discussions. Avoir le pouvoir de prononcer des sanctions, c'est essentiel et c'est la condition sine qua non à l'efficacité d'un tel organisme, parce que sinon on peut rester dans les vœux pieux si on se contente de simplement faire des recommandations. Alors évidemment, comme ça a été dit juste avant par M. Boyer, c'est vrai qu'on a des contextes juridiques différents, 27 contextes juridiques différents au sein de l'Union européenne. En France, on a un gros arsenal juridique qui fait que même si la HATVP n'a pas directement en elle-même on prononce pas les sanctions, enfin ça renvoie à des choses qui relèvent de l'infraction, d'infractions pénales qui sont inscrites dans la loi. Il ne s'agit pas de remplacer une autorité juridique, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est, aussi bien pour le modèle canadien que le modèle de la HATVP, de l'effet dissuasif d'avoir des sanctions. Quel est votre point de vue là-dessus sur l'effet dissuasif? Voilà, merci d'avance pour vos réponses et merci encore pour vos interventions. Merci beaucoup, Leila. And I'll take the opportunity as well to add a couple more questions, if that's okay. And then I'll give the floor to the three of you. So I'll start maybe with some points for the French high authority, Ms. Gamgani. If you could speak a bit about, you know, some of the results that you have seen now that the high authority has been working since 2013. I mean, here in the European Parliament, the code of conduct that we have is just about turning 10 years old. We have seen 27 cases where the code of conduct in the Parliament has been breached. In three cases, there has been a reprimand, so a public announcement by the president on the cases, but the sanctions that are available, the withholding of daily allowances for members of parliament has never been used. So if you could speak a bit about some of the consequences that you have seen. Mr. Chimuchevich already asked, I can but support that question, if, well, basically to all of you, if you have encountered
problems with the supervision of different offices, elected members of parliament, ministers, civil servants that have different conditions? And do you see any disadvantage of, you know, the same entity supervising in a way or ensuring the ethics rules are respected for those different populations? And then finally, for the French higher authority, the question, in Canada, we see that, lobbying and conflicts of interest are separated in two different entities, right? Whereas the high authority in France does both the declaration of assets and financial interest, but as well the lobby register. Maybe you can speak a bit how you perceive this. Is this an advantage? Or is it just, you know, you do two things next to each other and there's no interaction, or do you see any synergies or any advantages of actually having this in the same body? For Mr. Dion, the question that I have is mostly about, have you seen any issues with the publicity of cases, that everything is published? Have you seen any cases where this publicity has been exploited in any way as a political weapon by opponents? And then the question, so you said that there had been two cases of the prime minister, and you also, if I understood you correctly, said that normally for government officials, you would send your recommendation to the prime minister, and it's up to the prime minister to decide then, unless you make a recommendation, to also decide on the sanction. So how does that work then if the prime minister, him or herself, is concerned? Would they have to auto-sanction, or is it then someone else that takes the decision? So how do you deal with the, you know, sanctioning the office that's in charge of sanctions? And then question to Ms. Boulanger. I mean, one of the things that we're discussing in the European Parliament is should members of parliament or former members of parliament in any way be involved in the ethics oversight system. The argument in favor, of course, is that they know parliament, that they know the work of a member of parliament. So there's a number of colleagues here in the parliament that argue strongly in favor of having MPs, former MPs, as part of that oversight. If you could say anything about that, are members of parliament in any way involved in this? I mean, same actually goes for Mr. Dion. If members are involved other than approving the resolution at the end. And then one question on the cooling off, because you said, so you're not allowed, if I were a member of the Canadian Parliament and then I leave that office, I wouldn't be allowed to be a lobbyist for 5 years. You said I'm not allowed to register a consultancy either, right? Because we have that case here reasonably frequently, that they join lobby consultancies, that they open up their own lobby consultancies. And the other thing that a lot of people do after leaving elected office in the EU institutions is joining boards. And there I have the question, basically, because if you sit on a board and then you say, if you want to avoid certain regulation or if you want a political decision, well, these are the people that you need to talk to. Am I then already crossing that threshold of lobbying, of informing a lobbying strategy of an organization, for example? How exactly do you draw the line there? And how is this supervised? Do you then rely on someone else sitting on that board, reporting that to you, blowing the whistle? If you could speak to how exactly you control that. Thank you very much. I don't know if you want to do the same order or if we want to start backwards this time. Maybe Mr. Dion, you need to open your mic again, but you can start, particularly if you have to run. Yeah, that's what I was about to propose, maybe. And, you know, Ms. Bélanger and I think we have a good sense of who's doing what. Maybe we can try to address those questions, because I will have to leave in 20 minutes for another engagement in the UK this time. So as I there were many, many questions. Here, the choice in Canada was made to appoint a single official, independent officer of parliament. And the qualifications, as I have mentioned earlier, are addressed in the Parliament of Canada Act. But it's done, I didn't say that it's done through a competitive process.
So the government made an announcement and 56 people applied for the position of Conflict of Interest and Ethics Commissioner back in 2016-17 when the process was conducted. So there is no issue about representativity because it's a single individual and it has to meet some of the qualifications provided for in the Act. Being alone is sometimes difficult because the commissioner in Canada has the commissioner is alone with himself, basically, in terms of making decisions when it comes to determining whether somebody has contravened, what should be done in relation to that contravention. So I can surely see a benefit of having a group, a committee of three people or something like that, who there is a good value in being able to deliberate with other people, just like a court of appeal or a board or... sometimes it's difficult to be making those decisions alone. I'm supported by a staff, but they don't have the authority to decide anything. So at the end of the day, I'm the one making all the decisions. I do have under Canadian administrative law, I apply the general principles of recusals. So I have already on one or two occasions recuse myself. I have the authority to delegate somebody else. So I have delegated to a senior person in the office the care of conducting a matter because I had there was a reasonable apprehension of bias that existed if I was to proceed. So it's working until proven otherwise. In Canada as well, our decisions are subject to judicial review. So because we live in a British common law, public law system, so the Federal Court of Appeal has the authority to review decisions made by the commissioner. There is a somewhat narrow window, but there's always the possibility that a decision I make will be brought to the Federal Court of Appeal for review. And it's always in the back of my mind that so to act in accordance with the law, the rules of fundamental justice, to ensure that if it's brought to the Federal Court of Appeal, that it will survive the test. And we've had two or three situations where people have brought cases to the Federal Court of Appeal. We do have a completely different streams for members of parliament, elected officials on one end, and appointed officials. It's completely different. Some rules are similar, but it doesn't matter if they are parallel tracks. So when I have to review the conduct of an MP, basically I open up the code and on the same notion, the same type of situation, it's quite possible that the rule will be slightly different. And it doesn't matter because only the rule contained in the code applies to the MP. And only the rule contained in the Act applies to the appointed officials. So there is no problem. Except for those hybrid people that I've mentioned, the people who are governed both by the code and the act, then we have to determine whether when they took action, they were operating as a member of parliament or as a minister. And sometimes it's not easy to make the distinction. Mais on a parlé, c'est très, très important au Canada, le fait que seul un parlementaire peut punir un parlementaire. Il n'est absolument pas question. Le privilège parlementaire s'applique. La Cour n'a pas juridiction, le commissaire n'a pas juridiction. Seule l'Assemblée législative peut imposer une sanction à un de ses membres. Et tantôt, on est allé vite un peu. Toutes les règles de l'après-mandat, ça ne s'applique pas aux députés. Un député n'est régi par le Code que pendant sa présence en tant que député. Dès le déclenchement d'une élection générale, ou lorsqu'un député démissionne ou décède, c'en est terminé. Le code ne s'applique plus à lui ou à elle. Donc, à chaque fois qu'une élection générale est déclenchée au Canada, à date fixe, maintenant, on a une loi qui prévoit à quel moment les élections générales ont lieu. Au moment où l'élection est déclenchée, le code cesse de s'appliquer à qui que ce soit. Et au moment où une personne cesse d'être députée, il n'y a plus aucune obligation qui subsiste en vertu du code. On peut continuer cependant à faire enquête sur des choses qui ont eu lieu lors de sa présence en tant que député. Il y a une prescription qui est assez longue, mais on peut quand même s'intéresser à ce qu'il a fait alors qu'il ou elle était député. Mais tout ce qui, le code ne s'applique plus aux personnes qui
ont été défaits à l'élection, aux personnes qui ont décidé de ne pas se présenter de nouveau. Vous parliez de quelqu'un parlait de liberté professionnelle. Moi, la façon dont je vois ça, c'est peut-être une différence culturelle. En fait, c'est au Canada, la façon dont ça fonctionne, quelqu'un qui accepte une nomination du gouvernement est réputé avoir accepté les règles qui accompagnent cette nomination, y compris les règles contenues à la loi sur les conflits d'intérêts. Et c'est une question qui... on a la notion de contrat d'adhésion qui existe également, je pense, en droit français ou en droit européen. Ça fait partie du deal, comme on dirait au Canada. Et si on n'aime pas cette partie-là du deal, bien, il faut y réfléchir parce qu'elle s'applique. Et elle s'appliquera des fois des années après qu'on aura pris la décision d'accepter un poste. Évidemment, la loi est méconnue. Les 2800 personnes qui sont régies par la loi ne connaissent pas très bien la loi. On fait ce qu'on peut pour les éduquer, leur fournir des informations sur la portée de la loi en matière de pendant leur mandat ou après mandat. Mais il reste que théoriquement, ils ont renoncé à cette liberté en acceptant une nomination. On a la possibilité, Nancy et moi, de proposer des modifications. En fait, ici, la façon dont ça fonctionne, à l'égard du code et de la loi sur les conflits d'intérêts, et Nancy va peut-être expliquer ce qui existe en ce qui concerne sa loi, périodiquement, la commission parlementaire chargée du... on a une quinzaine de commissions parlementaires au Canada qu'on appelle les comités parlementaires permanents. Et périodiquement, généralement tous les 5 ans ou à peu près, des fois c'est plus long, c'est plus court, on se demande s'il y aurait lieu de faire des révisions. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une fenêtre pour le commissaire. Moi, j'ai toujours une liste, toujours verte, des modifications que je proposerai lorsque la fenêtre s'ouvrira. J'essaie de garder un aspect de nouveauté, c'est-à-dire que si une idée me traverse l'esprit cet après-midi, je vais mettre ça sur la liste. Et je vais l'utiliser au moment où la fenêtre sera véritablement ouverte, plutôt que de rendre l'idée inintéressante parce qu'elle a été suggérée 8 fois auparavant. J'attends le bon moment, en fait. Et j'attends également, je m'intéresse aux questions substantives beaucoup plus qu'aux questions purement techniques. Le code régissant la conduite des députés et la loi sur les conflits d'intérêts fonctionnent bien à l'heure actuelle, à mon avis. Il n'y a rien de parfait. Ce n'est pas qu'à Bruxelles que les règles ne sont pas toujours claires, c'est le cas ici également, mais on arrive à fonctionner et la loi et le code m'accordent beaucoup de marge de manœuvre au niveau de l'interprétation du code ou de la loi. Et en tant que commissaire, j'aime beaucoup avoir cette marge de manœuvre. C'est rare que je regrette avoir la marge de manœuvre pour essayer de prendre des décisions qui soient conformes à l'esprit du code et à l'esprit de la loi. Donc, Nancy, peut-être expliquer dans ton cas, je sais que tu as récemment publié des modifications proposées. Je dois vous dire que je trouve la conversation tout à fait intéressante. Donc, merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité. J'ai pris plein de notes de toutes les questions. Je vais peut-être sauter d'une chose à l'autre pour essayer de fournir le plus d'informations possible dans vos délibérations. Oui, on a le droit de notre propre initiative, autant d'enquêter que de fournir des recommandations. Et comme mon collègue vient de le dire, il faut être quand même stratégique du timing quand on fait ces recommandations-là. Moi, tout récemment, j'ai comparu devant le Parlement juste avant Noël. Et pendant la comparution, on m'a demandé quelque chose. Puis je dis, ben oui, justement, j'aimerais ça que ça soit amélioré. Ils m'ont demandé de leur fournir mes recommandations à date depuis que je suis en poste, ça fait 3 ans. Donc, j'ai fait un document, j'ai remis un document il y a à peu près un mois et demi au Parlement. Je serais prête à vous le partager. C'est vraiment où je vois des faiblesses dans notre loi qui devraient être comblées. Donc, oui, on a le pouvoir d'initiative et le pouvoir d'enquêter de notre propre chef. Je vous dirais que même au Canada, j'ai eu une décision de la Cour dans un cas de révision judiciaire qui a confirmé que des tierces parties, la façon que ma loi est écrite, n'ont pas de droit automatique à une enquête, qui au fond, tous les dossiers que je reçois, même si je reçois une demande d'un parlementaire versus une tierce partie,
que c'est à moi de décider si je veux faire une enquête ou non, qu'il n'y a pas vraiment un système de plainte. C'est que presque tous mes dossiers, au fond, c'est de ma propre initiative. Je reçois de l'information, je reçois des allégations et par la suite, c'est moi qui décide. Et le test dans ma loi, c'est à savoir si une enquête est nécessaire pour assurer la conformité. Donc, pas toujours, les enquêtes ne sont pas toujours nécessaires. Et donc, il y arrive régulièrement que quelqu'un va vouloir s'enregistrer. Ils ont manqué les délais. Et manquer les délais, dans notre loi, c'est une infraction criminelle. Mais la personne, le Canada, c'est quand même un grand pays. Là, j'ai 6200 lobbyistes. Il y a quelqu'un qui décide, écoutez, j'aurais dû m'inscrire il y a un mois. Je suis un mois en retard. Je ne prendrai pas le temps d'envoyer ce dossier-là à notre police montée, à la GRC. Ce que nous allons faire, on va accepter l'enregistrement. Ça sera publié à un moment donné parce qu'il y a des gens qui font des statistiques, les journaux surveillent, vont dire « Ah, cet individu-là était en retard. » Ce que j'ai demandé dans mes recommandations que je peux vous partager, c'est justement d'avoir un spectrum de sanctions. Parce que là, actuellement, je peux faire des rapports au Parlement, qui est vraiment une attaque à la réputation, ou je peux faire un renvoi à notre police. Et il n'y a rien entre les deux. Et donc, effectivement, un spectrum, que ça soit de l'éducation obligatoire, des pénalités monétaires ou même une prohibition de faire du lobbying. Actuellement, je peux prohiber quelqu'un de faire du lobbying, mais seulement après qu'il ait été trouvé coupable d'une infraction criminelle. Donc, effectivement, un spectrum, ça, c'est très important et ça fait partie de mes recommandations pour améliorer notre loi. On peut peut-être, Nancy, parler du secret des enquêtes, parce qu'on est à peu près dans la même situation. Oui, absolument, absolument. Au niveau des enquêtes, la loi est très claire que nos enquêtes doivent être faites en privé, en secret. Et c'est la même chose pour moi aussi, tant du côté du code que de la loi. Nancy travaillait jadis au commissariat, au conflit d'intérêts. C'est la même chose, en fait. La loi nous empêche absolument de dire quoi que ce soit au sujet d'une enquête en cours, si ce n'est que pour confirmer l'existence d'une enquête lorsque son existence est déjà connue du public. Exactement. Donc, très souvent, moi, je vais confirmer que j'ai ouvert ce qu'on appelle une revue du dossier, mais c'est très rare que je vais même confirmer que je fais une enquête, surtout du fait que mon enquête peut devenir une enquête criminelle. Et je ne veux pas mettre en péril une enquête publique possible dans le futur. Donc, on confirme des fois qu'on a reçu l'information, qu'on examine le dossier, et les gens doivent attendre, au fond, qu'il y ait soit une accusation criminelle ou un rapport au Parlement. En toute candeur, parce qu'on est dans un forum de professionnels de la question, c'est une bonne chose que la loi et le code prévoient cela, parce que souvent, ce qui arrive, en fait, c'est que quelqu'un qui est un politique nous demande de faire enquête, on accepte de faire enquête, la personne est libre d'en parler et généralement en parle. Le député qui a demandé à ce qu'on fasse enquête et lorsqu'on a accepté d'en faire une, de façon très générale, va être très heureux de dire au public, au Parlement, à ses collègues, à l'opposition, etc., qu'une enquête, le commissaire a accepté de faire une enquête. Et nous, on confirme, oui, c'est vrai, il y en a une enquête. Mais c'est une bonne chose parce que ça sort la question du forum public, j'allais dire, de l'arène politique. C'est un peu comme l'arène, ça me fait penser un peu à l'arène avec les lions et les gladiateurs. Tout ça sort de l'arène pendant quelques mois, pendant qu'un haut officier de la Chambre des communes regarde la question de façon indépendante et objective et se retrouve dans l'arène publique juste une fois que l'enquête est terminée. Une fois que tout a été fait pour protéger les droits de la personne dont la conduite a été alléguée comme contrevenant à la loi ou au code. C'est une excellente chose. L'atteinte au moment où on sort notre rapport et lorsqu'il y a contravention, on utilise aussi les médias sociaux, je ne l'avais pas dit à date. En outre le site web, on essaie, dans la dignité qu'exigent nos fonctions, de néanmoins faire usage de médias sociaux tels le Twitter, par exemple, pour attirer l'attention du public en général et des médias au fait que nous avons déposé un rapport sur la question XYZ. Et ça a clairement un impact sur la personne.
C'est un système qui est basé sur ce qu'on appelle en anglais le public shaming, c'est-à-dire l'opprobre public, je pense, en français. C'est pas le fun d'avoir un rapport qui décrit notre conduite qui a contrevenu à la loi ou au code. C'est pas agréable du tout, et c'est pourquoi les enquêtes sont faites dans toute confidentialité jusqu'à ce qu'on en arrive à cette conclusion-là. Les gens, en passant, se présentent généralement représentés par avocat. 90% des dossiers maintenant, la personne dont la conduite fait l'objet de l'examen arrive avec un ou plusieurs avocats lors de l'entrevue. Et les gens prennent la chose très au sérieux, et c'est juste au terme du processus que la conclusion du commissaire est connue. Souvent même, le commissaire, dans les mois qui précèdent la finalisation du rapport, ne sait pas trop où ça s'en va, tout ça, parce qu'il y a plusieurs, il y a des faits qui convergent, etc. Donc, c'est important que ça reste confidentiel, et le jour où ça devient public, mais tout le monde l'apprend en même temps, y compris le principal intéressé. Ça fonctionne bien, c'est dur, probablement, pour quelqu'un qui fait l'objet de l'enquête. Dur, difficile, un peu lourd. Mais c'est comme ça. Et du côté de Nancy, c'est un peu la même chose, en fait. Lorsque le rapport est sorti hier, Nancy a eu un rapport hier concernant l'ancien ambassadeur du Canada à Washington, et où elle a innocenté, si on veut, l'ancien ambassadeur. Mais jusqu'à ce que l'innocente, le monsieur McNaughton, ne savait pas quelle allait être la conclusion du rapport. Il l'a appris en même temps que le reste du monde. C'est ça, Nancy? Ça fonctionne comme ça chez vous? Oui, bien, si j'avais trouvé qu'il avait enfreint la loi, j'aurais été obligée d'envoyer à notre police et personne ne l'aurait su jusqu'à ce que l'enquête policière ait eu lieu. Puisque j'ai trouvé qu'il n'avait pas enfreint la loi, donc je n'avais pas de doute raisonnable de croire qu'une infraction avait eu lieu. Et lui, c'est un dossier intéressant parce que lui, effectivement, c'était l'après-mandat. Donc, il y avait une allégation qu'il avait fait du lobbying après qu'il ait quitté son poste d'ambassadeur aux États-Unis. Et il est rentré dans l'exception que je mentionnais plus tôt au niveau d'une corporation qui a fait du lobbying jusqu'à 20 % de ses fonctions. Donc, il n'a pas enfreint la loi. Pour assurer l'équité, je lui ai remis une partie de mon rapport pour commentaire avant de le remettre dans l'éventualité où il aurait eu des représentations à faire. Donc, il l'a appris un petit peu avant le restant du public pour assurer la justice naturelle. L'autre chose aussi rapidement, c'est que lorsqu'on fait des entrevues, moi, lorsque je fais des entrevues dans le cadre d'une enquête, elles sont faites sous serment ou en vertu d'une affirmation solennelle, ce qui fait que la personne s'expose à des accusations dans le cas où la personne serait trouvée à mentir. Et on a également un enregistrement judiciaire de tout ce qui se raconte lors des entrevues. Donc, c'est fait de façon sérieuse. Ça doit être impressionnant d'être de l'autre côté de la table pour répondre aux questions. Et le commissaire est toujours présent aussi. Lorsque les entrevues sont faites, quel que soit le témoin. If I may, since we only have about five minutes left, I would absolutely like to bring in a couple of questions from participants. I know we haven't given the possibility for the high authority yet to reply. I'll take three questions from the audience, and then you get the first reply, both to the MEPs and to participants. So I would like... I have to leave, as I said. So thank you very much for inviting me, and bonne fin de conférence. Merci beaucoup. Thank you so much. Bye. So I'd like to give the floor to the three people that have raised their hands. If you can be brief, a quick question, that would be great. Henke, Marta, and Vitor, if you introduce yourself and one quick question, and then we do round of replies before we have to wrap up. If the technical team could give those three the possibility to ask their question. Does that work? Henke, Vitor, go first. You have opened your mic, go ahead. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Hi. Well, first of all, thank you very much for organizing this panel. It's great to see everybody here and so many important speakers taking the floor. So my name is Vitor. I work for Transparency International EU office.
and I follow issues of both lobbying and ethics at EU level. So I know my question has been touched slightly by several speakers, but I would still have a question for the Canadian speaker. So the European Parliament right now has a policy of self-policing. The right to initiate the investigations lies with the president, the decisions on sanctions lie with the president. In the past, several times, NGOs, Transparency International included, requested investigations to be opened, and these were simply ignored, not even received replies. As Mr. Freund said, never in the history of the European Parliament has a member of parliament been sanctioned for ethics breaches. Now, Mr. Voyer has already mentioned that several MEPs have concerns regarding the sanctions and their publication specifically, even for simple administrative fines. Some of the discussions that we had with members of parliament, many of them considered that even if an EU ethics body would exist, that the final decision on sanctions should remain political and that they should not be public. This is, from what I understand, is quite different from what is happening in Canada. So my question to you is that in your experience as commissioner for lobbying, and I also asked Ms. Rushworth to weigh in, would this form of self-policing work? Or better, how important are transparency and independence when it comes to sanctions? Thank you. Thanks, Vitor. Hanke, if you can unmute yourself, then you could ask a question now. Or if that doesn't work, Marta, if you have a question. Otherwise, I would give the floor to Ms. Gamgani for a round of replies. Okay, then we do that. It doesn't seem that the two questions will work out right now. You have the floor. Thank you. Alors, beaucoup de sujets ont été évoqués. Peut-être rejoindre déjà le dispositif et préciser qui existe en France, notamment au regard du dispositif présenté par nos collègues canadiens. Nous avons la même spécificité au regard des missions des parlementaires. Il y a un principe en France qui est partagé très largement, savoir l'autonomie des assemblées, la notion même de conflit d'intérêts pour un parlementaire ne s'appréhende pas de la même façon que pour un élu ou pour un haut responsable. Et le rôle de la haute autorité ne se définit pas de la même façon. C'est-à-dire que sur cette déclaration d'intérêt des parlementaires que la haute autorité reçoit, elle va détecter éventuellement des omissions. Elle peut éventuellement avoir des points d'alerte, mais dans ces cas-là, ce sera un échange avec les déontologues des deux assemblées, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, qui prendront eux-mêmes la décision, les investigations nécessaires et encore une fois, à l'issue, décideront de ce qui doit être fait, ce qui est considéré comme un conflit d'intérêt ou pas. Je pense que ça, c'est important parce que vous êtes effectivement en train de réfléchir à un organe collégial sur différentes institutions avec différentes personnalités qui obéissent à différentes missions. Et l'élection est en soi un principe qui, effectivement, régit un certain cadre juridique, on va dire, en tout cas une appréhension de la notion même de conflit d'intérêt qui forcément est différente. Nous sommes une autorité administrative indépendante, nous n'avons pas autorité sur le Parlement pour expliquer aux parlementaires ce qui relèverait ou ce qui ne pourrait pas relever du conflit d'intérêt. La définition est interne et l'appréciation, encore une fois, est propre aux assemblées. S'agissant des questions relatives aux reconversions professionnelles, alors nous n'avons pas du tout ce cadre de l'interdiction formelle postérieure aux missions, et donc la haute autorité ne crée pas d'interdiction de reconversion professionnelle là où la loi n'en a pas prévu. Concrètement, ce contrôle de la reconversion professionnelle pendant les 3 années qui suivent ne peut pas aboutir à des interdictions que nous aurions nous-mêmes décidées. Donc dans la très grande majorité des cas, nous donnons des avis qui sont des avis de compatibilité avec des réserves que nous suivons, des réserves ayant pour objectif de limiter le conflit d'intérêts, de limiter aussi la potentielle mise en cause de l'impartialité du ministère d'origine,
de l'administration d'origine, de la collectivité locale d'origine. Mais dans la très grande majorité, justement, nous n'émettons pas d'avis d'incompatibilité parce que, notre collègue M. Dion l'a clairement dit, nous, ça ne fait pas partie du deal de départ. Il n'y a pas d'interdiction associée au mandat. Et donc, nous n'en créons pas au moment où il tente cette reconversion. Donc, 90% de nos avis sont des avis de compatibilité. Il y a une question sur le choix des membres. Alors, encore une fois, il n'y a pas de système plus vertueux que d'autres. En tout cas, nous, de notre propre expérience, ce qui est important, c'est à la fois l'aspect collégial, qui est un gage d'indépendance et qui permet d'éviter une personnalisation de la décision. Et parmi les membres, je l'ai dit, il y a aussi des membres qui sont reconnus soit institutionnellement pour leur expérience au regard de l'indépendance, parce que ce sont d'anciens magistrats de la Cour de cassation ou encore en fonction du Conseil d'État ou de la Cour des comptes. Mais ça peut être aussi des personnalités qui sont connues pour leur expérience. En revanche, il y a une interdiction à ce qu'ils aient exercé effectivement un mandat des élections, un mandat par exemple en qualité de parlementaire au cours des 3 dernières années, pour encore une fois neutraliser et permettre à cette collégialité d'exister et d'être identifiée pour les citoyens comme un gage, encore une fois, d'indépendance. Sur les questions de confidentialité, on a le même dispositif, c'est-à-dire que nos enquêtes sont confidentielles jusqu'à l'issue de l'enquête. Les échanges se font en interne entre les services et des rapporteurs extérieurs. Nos rapporteurs extérieurs sont, là encore, des membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Tout ce processus est absolument confidentiel, se fait dans un échange de respect de la contradiction, encore une fois, avec les responsables qui sont visés. Et à l'issue, lorsque nous prenons une décision, là, effectivement, nous pouvons, soit si nous saisissons l'autorité judiciaire, nous pouvons le dire. Mais dans ces cas-là, lorsque nous le faisons savoir, nous prenons un communiqué, il ne s'agit que des infractions qui sont propres à l'autorité. Si la haute autorité a détecté d'autres infractions pénales au cours de son contrôle, dans ces cas-là, nous ne transmettrons pas d'informations et nous ne ferons pas savoir que nous avons saisi l'autorité judiciaire, puisqu'encore, généralement, il y a beaucoup d'autres investigations qui nécessiteront d'être faites et qui permettront de savoir si oui ou non il y a un manquement. Donc, on ne se situe pas dans le même dispositif. Pour répondre également rapidement aux points qui ont été soulevés par Mme Chaibi, alors, nous avons ce qu'on appelle en fait un mécanisme de déport, qui est un mécanisme de déport très classique au sein de la haute autorité, qui est celui que nous conseillons à l'ensemble des interlocuteurs et des entités que nous pouvons contrôler, à savoir qu'il y a un cadre, qui est une charte déontologique, on peut l'appeler comme on le souhaite, qui identifie de manière structurelle ce qui peut poser, être identifié comme constituant un conflit d'intérêts. Donc, par exemple, pour les membres de la haute autorité, il est identifié que les membres d'un certain corps, par exemple les membres du Conseil d'État, n'interviennent pas sur des situations qui relèvent de personnes du même corps. Ça, ce sont des déports qu'on appelle nous structurels. Si vous venez d'une entité, vous ne pourrez pas vous prononcer sur cette entité durant les 3 prochaines années. Si vous avez exercé des fonctions dans un secteur auprès d'une société, vous ne pourrez pas vous prononcer sur cette société durant 3 années encore. En revanche, il y a naturellement un mécanisme qui est éminemment personnel et qui, là, ne peut pas être normé, mais qui repose, encore une fois, sur à la fois le regard de chacun et la confiance et l'engagement, c'est le déport personnel. C'est-à-dire que lorsque vous connaissez individuellement quelqu'un avec laquelle vous avez des liens d'amitié, des liens de proximité, on ne parle pas juste d'une personne que vous avez croisée dans une réunion il y a 2 ans, dans ces cas-là, vous n'avez pas à leur justifier. Les membres indiquent qu'ils seront en déport et ce mécanisme est applicable aussi au secrétaire général. Sur l'aspect d'auto-saisine, en fait, c'est l'esprit du législateur, c'est-à-dire que la haute autorité détermine son plan de contrôle, elle le fait valider par son collège, mais nous sommes en fait en intégralité en auto-saisine. Les signalements, finalement, n'interviennent que de manière très marginale, hein, c'est comme au Canada, nous avons quelques dizaines de signalements par an, plus en période souvent électorale ou avec des échéances importantes, parce que les citoyens ont tendance à consulter les déclarations et peut-être à s'apercevoir qu'il manque quelque chose. Mais il faut être honnête aussi, il y a aussi un risque d'instrumentalisation. Et donc, lorsqu'un citoyen nous saisit ou lorsqu'une personne nous saisit, parce que toute personne peut nous saisir, c'est une association ou même d'un responsable public, nous ne lui communiquons pas les résultats de nos investigations, justement pour ne pas donner prise
parfois des querelles politiques internes. Enfin, bien évidemment qu'il y a un aspect dissuasif à la sanction. Je pense que ça, il faut clairement le dire. Une autorité ne peut avoir une forme de responsabilité que si à un moment, elle est en capacité de contrôler, si elle a les moyens de contrôler. Et je pense que ça rejoint une des questions que vous aviez, M. Boyer. Je pense qu'il vaut mieux avoir un périmètre qui soit clairement défini, clairement identifié, avec un mécanisme d'identification des possibles manquements, que d'avoir un objet trop large, trop diffus. Nous, par exemple, sur les questions de patrimoine, c'est vrai que, encore une fois, c'est une réflexion, mais nous nous appuyons sur un dispositif qui repose sur l'administration fiscale française, avec des règles qui sont propres au régime français. Elles ne peuvent pas être juste dupliquées. Et donc, de premier abord, c'est vrai que c'est plutôt sur les conflits d'intérêts plus que sur ces aspects patrimoniaux que la question peut éventuellement se poser. Mais il faut définir, et ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. C'est pour ça que la Haute Autorité a beaucoup développé cette mission de conseil. La notion de conflit d'intérêts est une notion éminemment floue. Elle est souvent interprétée, elle est parfois mise en valeur à mauvais escient. Elle peut être aussi un objet de déstabilisation d'un responsable public. On va tirer un lien d'intérêt pour aboutir à un conflit d'intérêts. Tout lien d'intérêt ne provoque pas un conflit d'intérêts. Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas vivre non plus dans une situation où on pense brusquement que parce que quelqu'un exerce un mandat ou des responsabilités publiques, il a abandonné tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Souvent, il a acquis une expérience, il a rentré des gens. Ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit d'intérêt. Ça s'encadre. Il y a besoin, effectivement, que ces éléments soient connus, qu'ils soient identifiés, quelles que soient les structures. Mais ça ne signifie pas qu'il y a un conflit d'intérêt nécessairement. Sur les résultats de nos propres contrôles, c'est ce que vous disiez, M. Freund, en fait, on a des statistiques. Alors, nous avons saisi l'autorité judiciaire d'une centaine de dossiers, pour différents types d'infractions, mais très souvent liés à des évaluations mensongères, des refus de dépôt, de déclarations, des prises illégales d'intérêt, du détournement d'argent public, parfois des faits de corruption. Mais finalement, ça ne donne pas matière, ça n'illustre pas l'activité de la Haute Autorité. Actuellement, nous contrôlons... si on parle de déclarations et de personnes contrôlées, hein, que ce soit la reconversion professionnelle, les déclarations des responsables publics ou des représentants d'intérêts, entre 2500 et 3000 entités, individus ou entités. La grande majorité de notre travail aboutit en fait à une amélioration à la fois de leur déclaration, une meilleure prévention du conflit d'intérêts, dans la mise en place d'outils de prévention, d'accompagnement, ou encore une fois, de meilleures déclarations sur notre registre. Mais la notion de manquement égale sanction n'est naturellement pas du tout applicable sur ces sujets-là, ne serait-ce parce qu'encore une fois, il faut s'assurer déjà de vérifier de qui nous parlons et quels sont les manquements applicables. Et puis surtout, il y a un degré, encore une fois, de maturité. Toutes ces normes sont assez récentes. Même là, on parle d'autorité, c'est seulement depuis 2013 quand même, et on a un champ qui est assez conséquent. En revanche, lorsqu'il y a des manquements manifestes, une volonté effectivement de se soustraire à un dispositif, là effectivement, il faut pouvoir sanctionner. J'ai répondu de manière assez rapide, mais j'avais beaucoup de questions. Thanks. Unfortunately, we will have to wrap it up here. I have my next appointment, I'm sure many of the colleagues as well. I want to thank you so much for all your guidance, all your wisdom, all the advice and lots of answers that you have given us today. So I think on behalf of all four of us, I can say thanks. I can also thank everyone that listened in. If any questions remain open, don't hesitate to write an email, and we'll try to ensure that answers can still come to that. And I hope to our French and Canadian colleagues that we can stay in touch all along this process. We will now continue the conversation and the discussion at our level, and if ever we need to clarify anything more, I hope we can just get back to you with an email or a quick phone call. But thanks so much for being here today and having taken the time. Thank you. It was a pleasure, and please don't hesitate to reach out, because I know I had prepared other answers to some of the questions, so I think the discussion can continue at any time. Don't hesitate. Thanks. Bye. I would say the exact same thing. We had exchanged a few things in the past couple of years with
members of the European Parliament as you were coming to this point. Happy to continue that conversation if there's points of clarification that you need to better understand the legislation and the two regimes that we administer in our office. Thank you. Bye-bye. Merci. Thank you.